So today it's our rest day and we're walking to the city of Konitz to see what's going on. Time for breakfast again. So we're just walking, not doing anything, and one red car stopped. It was Arno, the guy from Bosnia that works just next door at the rafting center who knows me. And he's like, "Hey, you guys want a lift?" Sure. So that's happening. Yeah, And we. because Charlie is a superstar. Everyone knows him. Maybe. Balade à l'heure du muezzin. So the stone bridge in Konitz was built in 1093 AH, which is 1682. What is AH? That is the question. We'll see that later. But look at the bridge. So, in Konitz today, we have a market, a special market that is located just next to the river, and this is what we are going to check out right now. Yeah, that looks like a normal local market. Wow. Ça tirait bien. La rouge, elle tirait bien. C'est énorme que les voitures passent au milieu. Three de sept chest. Les rouges peut-être? C'est une journée d'achat compulsif. Ah, on dit en mode shopping. Et en fait, juste ce qui est dingue, c'est que j'ai l'impression qu'on vient de se faire offrir quand même les deux bières là. On se baladait et juste à l'extérieur du supermarché, quand on voit le type à qui on a acheté les chaussures, et il fait hey, viens à l'intérieur, viens à l'intérieur. Et puis on se retrouve avec deux bières comme ça, et on n'a rien demandé à personne. Hein. Le truc, tada! Comme ça, elle est super semelle, c'est en cuir, et il y a des machins à l'intérieur pour tenir chaud. Massif. Ah putain. Ça c'est de la gaufrette, hein. Ah ouais, alors ça, c'est dingue. 50 centimes la gaufrette, c'est pas les mêmes gaufrettes que chez nous, hein. En fait, c'est des préparations pour pouvoir faire tes propres gâteaux. C'est énorme. Pierre, on va essayer de regarder si on peut trouver des coquillettes pour toi en Bosnie. C'est parti. C'est l'idée de Lydie. Eh ouais, je pense à toi. Ah bah vas-y. Hein. Si tu viens en Bosnie un jour, tu sais que tu pourras te nourrir convenablement. Évidemment, c'est trouvé. Là, il y a des barillets. Pierre, on a trouvé tes coquillettes à 50 centimes. T'as tout ça. Mais comme on n'est pas comme toi, on y repose. Je suis pas fan des coquillettes. On est dans un supermarché standard, hein.
C'est le premier supermarché qu'on a, dans lequel on est entré et on a tous les produits qu'on veut en vrac. C'est quand même assez dingue qu'on ait ça ici en Bosnie mais qu'on n'ait pas ça en France. Bah, on est parti pour ça alors. Allez. On a trouvé notre rakia locale. Ça va être une rakia au raisin. Le jardin de l'étoile rouge. Ouais. Ça marche? Je sais pas, je vois que dalle, c'est avec la lumière donc. Ah, oui, sur ton visage, oui, ça marche. Ah, je me peins au pistil. Complètement. T'es bon? Oui. Yes. En plus, c'était une belle voiture, hein, franchement. Ouais. Bah, comme quoi, tout arrive. Bah du coup, on espère que vous avez bien aimé cette vidéo sur notre journée up en ville. C'était vachement sympa, on s'est bien amusé. Et si vous aimez ces vidéos, regardez les autres vidéos qu'a fait Charlie jusqu'à présent. Et mettez un petit pouce pour dire que c'était bien. Et des commentaires, c'est vachement plus marrant avec des commentaires. Bisous. Bisous.